Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer fried rice. C'est une recette assez répandue dans les pays asiatiques. Aujourd'hui, nous allons le préparer à l'indien. Pour cette recette, il nous faut 300 g de riz bouilli, 50 g de chou-fleur, une carotte et un quart de courgette coupée en dés. Un demi-oignon coupé en dés, une demi-tomate coupée en dés, une cuillère à café de concentré de tomate diluée avec un peu d'eau. Une demi-cuillère à café de crème de cumin, une demi-cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de curry. Il nous faut également de l'eau, de l'huile et du sel à votre goût, et aussi un peu de coriandre fraîche. Je chauffe un peu d'huile dans une poêle. Quand l'huile est chaude, j'ajoute le cumin, l'oignon, dès qu'il commence à devenir translucide, je mets les carottes, le courgette, le chou-fleur. Je les laisse cuire 2 à 3 minutes à feu vif. J'ajoute le curcuma, le curry, 2 cuillères à soupe de l'eau. J'ajoute le sel. Je mélange. Je le couvre et je le laisse cuire à feu vif. Je les ai laissés cuire 2 minutes. J'ajoute le concentré de tomate. La tomate fraîche. Je le mélange bien. J'ajoute le riz. Je mélange. Je le couvre et je le laisse cuire à feu doux pendant quelques minutes. Je le laisse 3 minutes en mélangeant de temps en temps. J'arrête la cuisson. À la fin, je parsème de coriandre fraîche. Bon appétit!